Connue autrefois sous le nom de Sud-Ouest africain, colonie allemande de 1884 à 1915, puis protectorat de l'Afrique du Sud après le traité de Versailles, la Namibie est un État indépendant depuis mars 1990. Nous nous dirigeons plein sud vers le désert du Kalahari en passant par Marienthal pour nous rendre dans le Grand Canyon de Fish River. Petit safari matinal dans le désert du Kalahari nous permet de découvrir un certain nombre d'animaux, dont des tisserands qui sont capables de construire des nids énormes, dont l'entrée se fait toujours par le dessous pour éviter que les serpents pénètrent dans le nid. Ici, les autruches ont déposé leurs œufs, mais comme ils ont une toute petite tête, ils les ont oubliés. Remarquez la taille du pas qui se trouve à côté des œufs. Au cours de ce premier safari, première découverte des antilopes de Namibie. Ici, une jeune femelle Steenbok qui visiblement n'a pas envie de nous rencontrer. Cet aloès est un arbre endémique d'Afrique du Sud et de la Namibie. Son nom, Kokerboom, provient des mots africains koker, qui veut dire carquois, et boom, arbre. Son écorce était utilisée par les bushmen pour faire des carquois. C'est une véritable surprise de découvrir ce magnifique lodge implanté au milieu de nulle part. Nous avons aussi grand plaisir de rencontrer quelques humains, car il faut savoir que la Namibie, deux fois grand comme l'Allemagne, n'est peuplée que de 2 millions d'habitants. This
this time for Africa. For Africa. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalewa. Anawa, ah, ah. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalewa. This time for Africa. La formation de ce canyon remonte il y a 2 milliards d'années. Mais pour faire court, nous allons regarder ce qui s'est passé il y a 500 millions d'années. C'était une période d'activité tectonique intense qui a ouvert une large fissure donnant naissance au canyon supérieur, entouré sur la photo. La rivière, quant à elle, a creusé son cours sinueux à travers les strates rocheuses pour former aujourd'hui le canyon inférieur. On voit bien les différents dénivellements, plusieurs étapes, avec la rivière tout en bas. Oh,
Les chevaux du désert de Garub sont des descendants des chevaux importés en 1908 par les colons allemands. En 1913, les Allemands ont abandonné leur colonie et les chevaux livrés à eux-mêmes sont rapidement redevenus sauvages. Ils continuent à évoluer autour de ce point d'eau, dans le désert où la température extrême varie de 70 à moins 5 degrés en hiver. Ils sont environ 250 équidés à évoluer sur un territoire de 40 000 hectares. Édifié au milieu du désert, cet improbable château de style néo-baroque fut construit par le baron et capitaine von Wolf en 1908. Tous les matériaux ont été importés d'Europe, sauf les pierres qui venaient de Namibie. Les artisans et les travailleurs venaient aussi de l'Allemagne, de l'Irlande, de l'Italie, de la Suède. Lorsque la Première Guerre mondiale éclata, le baron réintégra l'armée impériale allemande et trouva la mort lors de la bataille de la Somme en 1916. Ce centre culturel accueille 25 enfants en difficulté. Ils produisent un spectacle de chant et de danse, ce qui leur permet de récupérer des dons et leur évite de mendier dans la rue. Tu verras, on y arrivera.
fait pour ça. Pas baisser les bras, faut pas baisser les bras. Mais pour ça, faut pas baisser les bras. On va rester debout, on va tenir le coup. On ne se taira pas, on baissera pas les bras. Faut pas baisser les bras. Ah 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 yeah, mollo. Ah 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 yeah, Wakulu Manjina. Ah 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 yeah, mollo. Ah 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 yeah, Wakulu Manjina. Ah 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 yeah, mollo. Ah 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 yeah, Wakulu Manjina. Ah 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 yeah, mollo. Ah 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 yeah, Wakulu Manjina. Les bras, faut pas baisser les bras. Chez toi comme chez moi, personne, personne ne nous arrêtera, personne. Pour chanter, faut pas baisser la voix, pas baisser la voix. Tu verras, on y arrivera. Sossusvlei est un désert de sel et d'argile, surmonté d'immenses dunes qui s'élèvent à plus de 375 mètres. Elles se sont formées par l'accumulation de sable transporté par le vent. Le sable provient de l'érosion du grès ancien et la couleur orangée du trioxyde de fer. Ces acacias sont morts il y a environ 800 ans. Les hautes dunes qui entourent le lac ont empêché toute arrivée d'eau. Le soleil intense a brûlé les arbres et leur donne cette couleur noire. Le bois ne pourrit pas, il n'y a aucune humidité dans cette zone. Ces mystérieux cercles que l'on trouve dans le sud de l'Afrique consistent en une zone circulaire dénudée, vierge de toute végétation, sur un diamètre de 2 à 12 mètres.
Après 25 années de recherche, les scientifiques n'ont pas trouvé l'origine de ces mystérieux cercles. Quant aux Zimba, ils affirment que les cercles sont des empreintes de pas que les dieux ont laissées sur Terre. Au cours des deux derniers millions d'années, la rivière a creusé ce canyon long de 1 km et profond de 30 mètres dans un agglomérat de sable et de cailloux vieux de 15 millions d'années. Cette plante étrange et très rare, que l'on trouve seulement dans le désert du Namib, est considérée comme un fossile vivant. Certains spécimens observés ont une durée de vie de 1000 à 2000 ans. Elle doit sa survie dans le désert grâce à l'absorption de la rosée du matin par ses feuilles et non par ses racines. La ville de Schwarzkopfmund fut fondée en 1892 par les colons allemands à quelques kilomètres du port de Walvis Bay. C'est sans doute la ville où l'on parle le plus allemand. C'est une agréable ville balnéaire dont l'architecture n'a rien à voir avec l'architecture africaine. Elle est considérée aussi comme la ville la plus blanche de l'Afrique australe. Yeah.
Walvis Bay signifie en afrikaans la baie des baleines. C'est un port stratégique pour le commerce maritime. C'est le seul port en eau profonde de la Namibie. La ville est caractérisée par un climat doux grâce à la proximité de la mer et de son courant froid du Benguela. Ce fameux courant venant d'Afrique du Sud apporte du plancton, ce qui permet aux colonies d'animaux de se développer et de se fixer. En plein milieu du désert, on trouve des traces d'activités humaines. Ici, un petit village fixé au milieu de nulle part. Là, on trouve les traces d'une rivière qui s'est perdue dans les sables et qui a laissé une forêt ondulante. La vallée de Kuiseb sépare les dunes de sable de la plaine rocheuse du Namib. C'est dans cette vallée asséchée que vivent les derniers topnars. Ici, on survole les zèbres du désert et on retrouve les cercles de fées. La paix est l'icône. Assis.
La présence du désert de sel nous fait pressentir la proximité de l'océan Atlantique. Cette côte fut nommée par les premiers navigateurs la côte squelette, nommée ainsi pour les carcasses de baleines laissées par les chasseurs. Aujourd'hui, de nombreuses épaves de navires lui doivent de conserver ce nom. La production de ces salines couvre 90% de la consommation de l'Afrique du Sud et de la Namibie. La couleur des bassins est liée à la salinité de l'eau et aux micro-organismes qui s'y développent. Le vert pour une faible salinité. Lorsque la salinité augmente, une algue produit une teinte allant du rose au rouge. L'apartheid a été officiellement aboli à l'indépendance en 1990. En réalité, le cloisonnement est aujourd'hui plutôt d'ordre économique. Nous remontons vers le nord en longeant la côte sur une route de sel. Et nous découvrons ce chalutier échoué depuis peu de temps. La côte squelette mérite là aussi son nom. Le massif du Brandberg abrite des dizaines de milliers de peintures rupestres. Celle de la Dame Blanche est la plus connue. Il s'agit de réalisations faites il y a 2000 ans par un groupe de bushmen, certainement des chasseurs-cueilleurs. Les artistes ont choisi un surplomb rocheux à l'abri des intempéries pour peindre une grande frise longue de 5,50 m. Le personnage principal, nommé la Dame Blanche, doit être en fait un chasseur ou un chaman revêtu de peinture blanche. Le personnage principal est entouré d'animaux que l'on reconnaît, des oryx, des steinbocks. Il y a aussi des gnous et des animaux anciens qui ont disparu depuis. We'll be right back.
Le peuple Herero a une histoire méconnue. En 1904, les Herero furent victimes d'un massacre de grande ampleur, parfois assimilé au premier génocide du XXe siècle, perpétré par les Allemands dans leur colonie du sud-ouest africain. En août 1904, les troupes allemandes contraignirent les Herero à fuir en direction du désert du Kalahari. Alors que les Herero essayaient d'y trouver refuge, les troupes allemandes empoisonnèrent les points d'eau. 65 000 Herero moururent. 80% de ce peuple a été décimé. Twelve Fontaines est un site archéologique inscrit en 2007 sur la liste du patrimoine mondial. Il s'agit d'une concentration de pétroglyphes, c'est-à-dire de dessins symboliques gravés sur la pierre, avec près de 2000 figures. Ces gravures ont été réalisées à l'âge de pierre, 6000 ans avant Jésus-Christ. On peut sans peine imaginer les chasseurs-cueilleurs dessinant les animaux en attendant leurs victimes auprès de cette source. Il y a 125 millions d'années, une couche de magma s'est infiltrée entre deux couches plus anciennes. La dolérite, en se refroidissant très lentement, se fracture pour former des prismes plus ou moins réguliers que l'on nomme tuyaux d'orgue. Cette merveille de la nature, on peut l'observer à Bort-les-Orgues ou dans la chaussée des Géants. Les Himba sont un peuple bantou venant de l'Afrique centrale et, si l'on remonte au début de notre ère, de la vallée du Nil. Ils sont apparentés aux Herero. Le peuple Himba est constitué de 50 000 âmes vivant notamment au nord de la Namibie. La tenue vestimentaire des Himba témoigne de l'échec des missionnaires chrétiens dans leur œuvre d'évangélisation et de civilisation de la Namibie. Ce qui n'est pas du tout le cas pour le peuple Herero qui a opté pour la tenue vestimentaire de l'époque victorienne. La coiffure nous renseigne sur le statut des femmes Himba. Par exemple, une femme mariée porte un chignon formé de peau de chèvre. It's your soul, it's your soul, it's your soul.
Pour se protéger la peau, les femmes Himba s'enduisent le corps d'une poudre d'hématite broyée et mélangée avec de la graisse animale. Vous ne l'avez sans doute pas remarqué, mais ce village est un village reconstitué pour présenter le peuple Himba et pour protéger les vrais villages situés tout au nord du pays. Le chef est tout fier de poser avec sa deuxième femme. L'autre est parti dans le nord rendre visite à sa famille. Germs, insects, parasites in the haze. For the proper one, they sit over it, covers them with a cloth, with a blanket, until they get sweating. Et ça pour le nettoyer. Voilà les déodorants, le dernier. Whilst they get sweating, it's how they clean off the body. Et après pour la, nettoyer les linges, pareil avec le fumet du feu. That's the only way how they cleanse themselves, cleanse their clothes. Women never use water. All it used by men. Women use the own elbow, although it's the arm of the man. Les colliers et bracelets portés par les femmes sont aussi à la vente pour les touristes. Ces repose-têtes, ancien héritage de la vallée du Nil, sont utilisés par les femmes pour éviter que leur coiffure touche le sol. Pour les colliers qu'elles portent aux pieds, il existe deux versions. Soit c'est une protection contre les serpents, soit c'est une partie de leur corps qu'elles ne doivent pas montrer. Ces troncs d'arbres fossiles sont âgés entre 240 et 300 millions d'années. Certains exemplaires atteignent 30 mètres, venant certainement d'Afrique centrale ou d'Angola. À la suite d'une grande inondation, ils ont été ensevelis par des strates sédimentaires composées de silice. La silice remplaça lentement la matière végétale et fossilisa les troncs. Le bois s'est silicifié.
jajapela pananar ko mia chi e pa chi pana jante na bobo dila dia dila rua manao sakla ruma rupa moa. Le parc des Toshas se range parmi les plus belles réserves naturelles de la planète. Il occupe une surface de 22 000 km² et abrite une faune diversifiée avec 114 espèces de mammifères, 340 d'oiseaux et 16 de reptiles. En dialecte local, Etosha signifie le Grand Blanc, en référence à cette dépression désertique couvrant 5000 km². Ce lac asséché, il y a plusieurs millions d'années, se remplit d'eau à la saison des pluies, attirant des milliers d'oiseaux, notamment des flamants roses. Thank you.
Après avoir traversé le parc des Toshas sur plus de 300 km, nous amorçons notre descente vers Windhoek en traversant la ville minière de Tsumeb. Windhoek, capitale de la République de Namibie, depuis son indépendance en 1990. Située à 1700 mètres d'altitude, c'est la plus grande ville du pays avec 300 000 habitants environ. Ces fragments de météorites sont exposés dans un centre commercial. Ils proviennent du sud du pays. La masse totale est estimée à 26 tonnes avant sa désintégration. Elle est constituée essentiellement d'un alliage de ferro-nickel. La collision avec la Terre a eu lieu il y a 200 millions d'années.